Nous sommes de retour en Belgique pour cette manche du championnat du monde de Formule 1. Il s'agit d'un circuit mythique sur lequel Ayrton Senna a remporté 6 victoires, mais c'est également ici que Michael Schumacher, en 1992, et Charles Leclerc, en 2019, ont décroché leur première victoire en Formule 1. Nous voici au cœur des Ardennes belges sur le circuit de Spa-Francorchamps. D'une longueur de 7 km, le tracé comporte 9 virages à droite et 10 à gauche, soit un total de 19 virages, tous plus emblématiques les uns que les autres. Sur piste sèche, la vitesse moyenne flirte avec les 230 km/h, mais si la météo ne s'améliore pas, il y a peu de chances d'atteindre un tel chiffre. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Bon, parlons un peu de Schneider. Aucune pénalité, aucune circonstance atténuante. Il s'élance en fond de grille après une séance de qualification complètement ratée. Ils vont l'avoir mauvaise quand ils se rendront compte que leur voiture n'a pas le même code postal que celui de la ligne de départ. Mais dans les points positifs, ils peuvent compter sur une voiture rapide pour remonter le peloton. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. La piste est dégagée pour Daniel Ricciardo qui part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Hamilton, Gasly, Max Verstappen et Perez, Fiat, Norris, Magnussen et Lance Stroll, Schneider, Sainz, Alexander Albon et Ocon, Leclerc, Latifi, Nick De Vries et George Russell. Matsushita et Antonio Giovinazzi qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Now that we've got some points on the board, let's continue this form. Marshals.
nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. On dirait que c'était pas votre jour aujourd'hui. Vous n'êtes plus en tête du championnat. Vous pensez pouvoir retrouver rapidement la première place? No, it was not our day. The weekend was ruined in qualifying, and the setup was not good to suit in the rain. It was very difficult to see Daniel passing in front of me. Bien, ce sera tout, merci. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari.